Je vais faire cette vidéo pour expliquer un peu, je vais expliquer un peu l'éligibilité, c'est-à-dire les diplômes, ok? Les diplômes, parce qu'il y a trop d'embrouilles et je suis rentré un peu dans mon bois sacré, entre guillemets, pour vous prendre les vrais docs. Alors, il y a deux choses qui sont non éligibles pour jouer, c'est-à-dire les diplômes qu'il faut. Hein? Il y a deux diplômes qui sont non éligibles. Il y a ce qu'on appelle le primary school only, c'est-à-dire école primaire. C'est-à-dire de CPS jusqu'au CM2, ce n'est pas pris en compte. L'école primaire n'est pas pris en compte, ok? Et puis aussi, il y a ce qu'on appelle le high school no degree. C'est-à-dire, tu as fait de 6e jusqu'en terminale, mais tu n'as pas eu le bac. Donc, pour ceux qui ont le niveau bac, tu as le niveau bac, tu as le BEPC, tout ça, c'est grillé. Ce n'est pas pris en compte. Voilà, c'est non éligible. Non, ce n'est pas pris en compte, ok? Voilà. Alors, tout ce qui est éligible, c'est ce que je vais citer maintenant. Il y a le High School Degree. High School Degree, c'est ce qu'on appelle le bachelor ou bien les bacheliers. Si tu as le bac, c'est propre. Avec le bac seulement, c'est trop propre. Moi, j'avais le bac, j'avais le BTS, j'avais expérience professionnelle, tout ça, mais j'ai mis seulement bac. Si tu as le bac, tu as le BTS, tu as licence, tu as master, tu as tout ce que tu veux avoir. Faut pas te compliquer, il faut mettre le bac. Il faut mettre le bac, c'est ce que j'ai mis dessus ici. Il faut mettre le bac. Mets le bac et puis tu mets rien d'autre. On te demande, tu dis aussi étudiant. Tu n'es pas obligé de dire que j'ai master, tout ça. OK? Voilà. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le vocational school, c'est-à-dire école de formation. Si vous voulez, les écoles d'hôtellerie, les mécaniques, les écoles professionnelles, si tu as un diplôme là-bas, ça passe. OK? Il y a aussi some university courses. Hein? Les some university courses, c'est ce qu'on appelle en classe des licences ou des BTS ou des BT. Ceux qui ont les BTS, les BT et une licence. Voilà, ça passe aussi, ok? Il y a aussi university degree, c'est-à-dire un étudiant avec une licence ou un BTS. C'est-à-dire tu es étudiant et tu as BTS. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire tu as le BTS et tu continues, tu es étudiant. C'est pris en compte. Voilà, c'est pris en compte, ok? Nous avons aussi le some degree level courses, c'est-à-dire étudiant en classe de master, ça passe. Tu es étudiant à l'université, tu es en classe de master, ça passe, même si tu n'as pas le master, ok? Voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle master's degree, c'est-à-dire étudiant avec un master. Tu es étudiant et tu as le master, ça passe. Et nous avons doctorate degree, c'est-à-dire tu es étudiant en droit, en doctorat. Voilà, ça passe aussi. Donc voici tout ce qui est bon. Moi, je n'ai pas vu professionnel ici. Mais beaucoup de personnes parlent d'expérience professionnelle. En tout cas, moi, je n'ai pas vu d'expérience professionnelle dans mes recherches. Voilà. Je suis sur le site même, et c'est là-bas que j'ai pris ces informations pour vous dire, pour vous les lire. Donc, ce qui est non éligible, c'est tout le cursus primaire. Ça, c'est pas pris en compte. Tout le cursus collège et lycée n'est pas pris en compte, sauf le bac. C'est-à-dire, tu as fait 6e, 5e, 4e, 3e, tu as eu le BPC, tu es parti en seconde, première, terminale. Mais si tu n'as pas le bac, tu n'es pas pris en compte. Voilà. Et tout cela est grillé. Ce n'est pas pour dire j'ai le niveau terminal. Niveau terminal, ça ne s'est pas pris en compte. OK? Alors, mes frères, je voulais faire cette vidéo. Maintenant, je vais m'arrêter là. Je suis fatigué. Hein? Je vais chercher à glacer un peu mon corps. Je vais me rincer un peu. Et puis, je vais me reposer. Je vais dormir. Mes yeux sont rouges. J'ai fait. Ça, c'est la sixième vidéo. Ça, c'est la sixième vidéo de ce samedi. Demain, je vais faire encore peut-être cinq ou six vidéos. Et la semaine prochaine, on va se prendre encore. Le week-end prochain. Vous voyez comment est-ce que je vous aime. Je travaille. Je fais des recherches pour vous. Et si vous aimez ce que je fais, mettez un pouce bleu. Si vous pensez que vous pouvez apporter d'autres informations, et vous pouvez les mettre en commentaire. Si vous avez quelque chose à me dire, vous pouvez les mettre en commentaire. Si vous avez quelque chose que vous n'appréciez pas chez moi, mettez en commentaire. Je suis disponible et disposé. Vous avez des questions, composez le plus 225 57 57 13 47. Plus 225 57 57 13 47. C'est mon WhatsApp. Voilà. Écrivez-moi et je vais recueillir votre question. Si c'est trop privé, je vous réponds en privé. Mais si ça peut aider quelqu'un, je fais une vidéo comme je suis en train de le faire pour répondre. Merci à tous et à toutes. Continuez de vous abonner, continuez de m'encourager avec les likes et continuez de parler avec moi en inbox. On est ensemble. On est ensemble. Et sachez que Dieu n'oublie personne dans cette vie. Un jour, il se souviendra de toi. Portez-vous bien et c'était donc votre frère. J'ai été très heureux, très honoré de vous faire cette vidéo et je sais que voilà, cette vidéo vous plaît. Soyez toujours souriant, voilà, gardez la paix du cœur. Si vous sentez que vous êtes trop stressé, sortez.
Sortez prendre de l'air, sortez vous promener, promener. Allez-y vous laver, parfumez-vous, prends ton vêtement que tu as bien repassé, mets sur toi, mets ta chaussure, sors. Même si tu vas nulle part, sors, faut marcher. Tu vas voir que le stress va partir, ok? Écoute la musique que tu aimes. Voilà, si tu as une voiture, monte dans ta voiture, mets ta musique, écoute. Conduis un peu dans la cité et viens rentrer. Hein? La vie est trop précieuse pour être stressée, ok? Et sache que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et sache que Dieu a un plan pour toi. Tu peux dire amen. Merci et on est ensemble. Bye.